On va tous aller à l'hôtel de ville ensemble. On va coller là. Bravo. On a gagné. Papy, les 18. Dans quel état d'esprit vous êtes là, monsieur Robert? 18 ans, bah, oui. Très heureux. Quand on aura fait confiance pour continuer le travail d'entreprise. Vous pouvez nous rappeler les scores exactement? 46-80 pour moi et 41,5. J'ai plus les chiffres en tête. Toi, 46-81 et 41-48 et puis 11-70. Le score du FN, qu'est-ce que ça nous a fait? 11-70, ben, c'est toujours trop. C'est toujours trop, mais il a baissé. Tu as une grosse bise de Lucie. Ouais, merci. Félicitations. Super heureux. Oui. Bien, monsieur. Ils vont. On s'attend pour le libération des vestiaires. Hein. Ah ouais, maintenant il faut.
T'as pas ton cigare? Combien de points l'a pris, c'est tout. Oh, bien Ben le cortège, hein, Ivo, hein. Merde. C'est leur peu fort, mais bon. Bon, du coup, tu vois, j'avais bien dépouillé la bonne champagne. Voilà. Ça va. Ouais, ça va. Oui, bien compris. Ah, bien. Je avec Madame la ministre, Madame la ministre, excusez-moi. Juste un petit mot, enfin on est en direct là, sur 76 Actu, juste un petit mot par rapport à... Qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là? C'est un grand bonheur, très grand plaisir d'avoir la victoire d'Yvan Robert, d'avoir la victoire d'une équipe, de ceux qui souhaitent toujours rassembler derrière leur ville. Notre ville mérite qu'on continue à conduire ce projet d'être à l'écoute de chacun de ses habitants. Et beaucoup d'émotion, beaucoup de bonheur. Et puis je voudrais vraiment remercier tous ceux qui se sont retrouvés derrière notre Fort Serouan, ceux qui, militants de gauche, mais au-delà, tous les Rouennais et les Rouennaises qui nous ont fait confiance. C'est une grosse responsabilité, mais... On a l'habitude de nous rassembler pour travailler dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt de notre capitale régionale. On en est fiers et aujourd'hui, on a envie de lui donner cet élan. Deuxième tour, vous y croyez, les indicateurs étaient plutôt pour vous. Oui, mais les indicateurs étaient plutôt favorables. Mais on le voit ce soir, il y a des résultats qui sont difficiles pour la gauche sur le plan national. Donc la ville de Rouen tient bien parce que Yvan Robert est à la tête d'une équipe extrêmement solidaire, une équipe qui est à l'écoute des Rouennais. Et aujourd'hui, grande satisfaction de voir la victoire d'Yvan en 2008. C'était moi qui conduisais la liste. 2014, c'est Yvan Robert. C'est un projet collectif, mais c'est une grande fierté pour lui. Le Front National rentre au Conseil, c'est une première. Oui, il avait déjà été au Conseil et il revient au Conseil municipal. Et donc, il y a aujourd'hui une réalité démocratique. Et donc, le Conseil municipal qui aura une autre configuration. Mais j'espère que nous saurons retrouver dans l'intérêt de notre ville. On monte à la mairie. On monte calmement. Ok. On est heureux. Non, avec des photos, toi. Non. Ça change pas.
Attention, voiture. Voilà, la ligne 4, il y en a un qui est à gauche. Oui, oui, oui.